S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra. Sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps. On court pas dans les couloirs. Pourquoi, madame? Je marche vite. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Monsieur, en fait, ça t'est que la nouvelle coupe, hein. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6ème juste à côté. Monsieur Pro, vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit. Sinon, ça doit te changer du Roussillon. C'est toi qui as choisi de venir ici, en fait. Ouais, ouais, toujours eu envie de travailler en ZEP. Alors, madame. Salut, Danis. Vas-y, Moussa. Ah, je l'aime bien, ce petit. Moi, je veux bien être sympa, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste, faut pas me prendre pour un con. Quoi? Oh. Yanis, tu cherches au quoi, là? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça? Mais je te préviens, moi, je vais pas te lâcher. Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça. Et si je valais pas mieux que ça? Eh hey monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces cas, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un quartier de Caïra, et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Tu sais, enseigner à Saint-Denis, c'est pas complètement comme enseigner ailleurs. T'es arrivé en retard à cause de la grève. Ah oui, il y avait la grève. C'était une grève Air France et t'habites au bout de la rue. Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé.